va? Oui, ça va bien, maman. Et maman? Elle se porte bien. Elle va bien. Oui, très bien, maman. Elle se fâche toujours? Oh non, maintenant elle a tout compris et tout va bien. Ok, c'est bien. Papa arrive, hein? Okay, il est sous la douche. Ok, maman. Hey, Jennifer. Tu vas servir quelque chose à Jennifer, non? D'accord. Oh non, ma chérie. Tu veux rien prendre? Oh non, maman, ne vous gênez pas. Ok, d'accord. Ah, bonjour papa. Mais Bobby, toi dans mon salon, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis pas Bobby, je suis James Mukunta papa. James Mukunta. Pourquoi pas James Mukunta? Voleur. C'est mon homme. Il s'appelle James Mukunta. Ma fille, mes yeux ne me trompent jamais. C'est bien lui. Maloubi, c'est lui qui m'a vendu une voiture volée. C'est lui. Oui. Hein? Appelle-le, oui. Bon, les amis, il est temps. Hein? Oui, monsieur. Bon, je veux le voir tout de suite. Hein? Tu dois le parler. Hein? Tout de suite. D'accord. Comment ça va? Ça va très bien. Oh, monsieur Malouré. Ça va? Il y a longtemps. Bien sûr. Merci. Ça va très bien. Yeah. Mais je suis très content de mon bon Mourame. C'est très joli et très propre. Ah, je suis très content. Merci. La fois dernière, quand vous êtes venu sur le bas, vous voyez que vous étiez des clients. Oh, mais non. Nous sommes des associés. Ah bon? Nous travaillons avec lui. Et au fait, c'est nous qui lui importons des véhicules. Ça. Mais ce jour-là, je vous entendais parler de la nouvelle Murano, mais comme il n'y en avait pas, il nous a donné votre numéro, il nous avait demandé de faire diligence pour vous satisfaire. Parce que les clients comme vous, monsieur Manon, attention, il ne faudrait pas les perdre. Hein? Ah oui, vous avez fait un bon travail. Ah, merci. Merci. Vous remercie beaucoup. Merci. Vous faites merci du travail. Merci. Je suis très content. Je vais vous remercier, mon ami. Mais j'avais oublié de vous le dire, sinon depuis hier, il était en voyage. Ah oui, tu es en voyage sur l'Allemagne. Mais je crois qu'il revient dans une semaine. C'est pas grave. À ce moment-là, j'ai personnellement le remercier de lui. Et toi, tu es le jeune frère à mon ami. Ah oui, vous êtes mon papa. Et toi? À moi, c'est monsieur Maloubi. Monsieur Maloubi. Oui, c'est moi, monsieur Maloubi. Maloubi, oui. C'est pas grave. Je vais vous délivrer le chèque. Okay. Tu veux que je ne veux pas te reconnaître? Papa, peut-être que vous trompez de personne. C'est les montagnes qui ne se rencontrent pas. Papa, patience. C'est un voleur, patience. C'est bien lui. Calme-toi et assois-toi. C'est un bandit. C'est lui. Me calmer. Okay. Mais quand le bandit est venu dans mon salon, tu me dis de me calmer. Ah. C'est bien lui. C'est lui. Mais papa, je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas un voleur. Viens-toi. Je suis un étudiant, je ne vends pas de véhicule, papa. Bien sûr. C'est un étudiant, papa. Je suis allé juste dans sa maison. Je t'ai dit ça, non? Hein? Il est issu d'une bonne famille. Peut-être que tu te trompes de personne. Papa. Lui, là? Oui, peut-être que tu as affaire avec son sosie. Papa, calme-toi, là. Faut t'asseoir. Viens à ton menu à Chichi moi. Hein? Ça là, c'est James. C'est James. Son sosie. Oui, papa. Papa, je t'avais pourtant dit qu'il s'appelle James Mukunta, non? Oui, il s'appelle James. Sa maman l'a appelé James le jour là. Oui, James. Comme tu l'as dit. Tu peux t'asseoir, jeune homme. Je te présente mes excuses. Merci papa. Jimmy, faut pas te fâcher. Non, je ne me suis pas fâché. Son sosie. Hmm.
Jeune homme, le papa. Il paraît que c'est toi qui sois avec ma fille. Oui. Et tu as fini par la mettre enceinte. Oui, papa. C'est les études, ça? Hein? Mais j'aime votre fille, papa. Tu l'aimes? Oui, papa. Mais il paraît que ta maman n'est pas d'accord. Non, pour ma maman, tout est réglé. Il y a peu de problèmes. Elle est d'accord. C'est vrai? Oui, oui, papa. Tu as tout réglé? Oui, oui, papa. D'accord. C'est pas grave. Et je dois rencontrer tes parents pour que nous puissions parler de votre mariage. Ah oui, papa. Tu vois? Oui. Moi, je ne suis pas difficile. Hein? On va parler de votre mariage. Tu vois ma fille, elle ne manque de rien. Elle a tout. Hein? Tout. Oui, j'ai vu. Faut pas qu'elle aille souffrir ailleurs chez toi. Hein? Non, papa, pour ça, ne vous inquiétez pas. Chez nous aussi, il y a du confort. Elle ne manquera de rien. Merci. Tu peux compter sur vous? Bien sûr, papa. Merci. Bon, je te laisse avec ta belle-mère. Merci, chérie. Merci, merci papa. Son sosie. Dieu merci. C'est quoi? Pourquoi tu transpires comme ça? Maman, j'ai chaud. Hein? Oh non. Il n'y aura rien. Tu as compris. Qu'est-ce que tu veux manger et boire? Oh non, j'ai pas fait, maman. Yo. Adou, maman, tu es chez toi. Oui, je sais, maman. Il n'y a rien, hein? Mets-toi à l'aise, hein? Moi, je suis là, hein? Tu comprends? Oui, oh. Non, Dana, me dit, Adou. J'arrive, hein? Il n'y a pas de problème. Ah, comme tu as transpiré. Tu ne pourrais pas te nettoyer avec le papier? Mais tu as transpiré. Oh, ma chérie, mais le problème, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce problème de ton papa. Mais c'est qui m'a doubi? Je ne sais pas. Ça doit être l'un de ces escrocs qui traînent partout. Calme-toi. Hein? C'est la vieillesse qui dérange, papa. Et la personne me ressemble tellement, il paraît. Hein? Ah, je ne sais pas. Toi aussi, on ne dirait pas un garçon. Hein? Tu as transpiré comme ça. Oh, ma chérie, écoute, mais tu vois avec ton papa, mais... Ce problème de Maroubi là, mais ça m'a ça dépassé. Attends, je vais te montrer ce que j'ai. Jennifer, commence par faire tes adieux à tes proches. Ton heure approche. Gas, les tigresses. Mais c'est du bordel. C'est du désordre. Mais c'est quoi ce désordre-là? James. Vous savez où on dit? James, tu ne vois pas qu'on doit mettre fin à notre relation. Écoute, mettre fin à quoi? Jenny, tu n'es pas encore trouvé la personne qui te séparera de moi. Tu m'es trop très chère et précieuse. Et moi, James, je t'aime d'un amour vrai. Tu ne peux pas comprendre pourquoi je t'aime si tant. Seul Dieu qui donne la vie peut la reprendre. C'est tout ce que tu trouves à me dire, James. Je te comprends. Hein? Tu as raison. C'est pas toi qui es menacé. Si moi je meurs, monsieur peut trouver une autre et faire sa vie simplement. Mais qui parle de mourir? Mais les tigresses, c'est des trouillades. Elles peuvent rien te faire. C'est des menaces gratuites, ma chérie. Ok, je te verrai après. Oh non, écoute, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Approche. Mais, tu sais... Je ne peux pas te laisser quitter ma vie tout simplement comme ça. Je tiens trop à toi. Tu veux m'obliger à te dévoiler mon secret. Tu m'as une fois sauvé la vie. Moi? Quand et où?
tu as bonne mémoire, une nuit, des voleurs ont cambriolé votre maison. Et l'un d'entre eux avait essayé de te violer dans ta chambre. De cette horrible histoire. Oh Dieu, tu es Dieu. Jenny, ce voleur, c'était moi. Quoi? James, tu es un voleur, regarde-moi ici. Non, avant. Comment ça avant? Mais après ce vol, le Saint-Esprit a visité mon cœur. Et je m'étais dit, si je n'avais pas rencontré une fille comme toi, tes parents allaient me tuer sans pitié. Alors, je m'étais dit, si Dieu a voulu que je m'en sorte vivant, c'est pour me donner une chance de me repentir. Et si je t'ai encore rencontré sur ce campus, ce n'est alors pas un hasard. C'est le plan de Dieu pour te remercier. S'il te plaît, pardon ma chérie, je ne veux pas te perdre. Ok. J'ai compris. Mais laisse-moi les tigresses. C'est mon dossier. Au fait, celle avec qui j'ai sorti avant de te connaître, c'est leur patronne. Laisse-moi régler. Ma chérie, je t'aime. J'aurais appris que tu aimerais qu'on t'appelle par ton nom maintenant. James. L'amour même, quand il nous prend. James. Tu me déçois. Dans ce grand nouveau moment, tu ne vois pas la grande femme à épouser. Une sale fille. Que tu aimes trop. Les soupirs qui t'intéressent, ça veut dire quoi? Tu m'as déçu. Tu vois, c'est un bon sens. Tu ne vois pas que c'est trop. Lui seul, toutes ces filles. James. Mon James. Regarde-moi encore une fois. Peut-être tu changerais de décision. Mais j'admire ton courage. Tu me laissais pour une petite fourmi. Et pire, tu lui montes encore la tête. James, ou comment on t'appelle? Oh,
tu commences par me taper sur les nerfs. Et tu sais que quand je m'énerve, je suis comme le tonnerre. Grr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 r
Jennifer, où comment on t'appelle? Tu oses me défiler sur cet opus? Pardon. Moi, ta vieille mère? Pardon. Oh, j'adore ce moment. Jennifer, fais tes dernières prières. Ok. Fais tes dernières prières parce que à 5, je te fais comme... Ah ouais, je te demande ça va? À 4, c'est comme ça. Et je te demande ça va. Toi. On te dit de grandir. À toi, c'est comme ça. Là, tu es calme, sa terre. Je n'aurai même plus de questions à te poser. Mais nous la carrière. Tu vas la vie. Mais nous la carrière. Tu vas la vie. Mais dis c'est mon cabiode. Mais nous la carrière. Mais dis c'est mon cabiode. Mais nous la carrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Écoutez-moi. Je vais la terre. La fille aux hommes. C'est ça. Venez vous faire vous. Venez vous. Venez vous. Venez vous. Les âmes. Les âmes. Ramassez pas les âmes. Qui peut faire vous. Moi j'ai tout. Mon Dieu. 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 J'arrive. Mon Dieu. Allez. Avancez. Moi j'ai ce fils. Je vais réussir. Je vais réussir. Avancez. Avancez comme ça, avancez comme ça. Moi, je suis petit. Avancez comme ça. Avance. Vous montez. Restez aussi, hey, montez. Vous montez. Montez, plus vite. Plus vite, allez, montez plus vite. Allez, 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 allez. Allez, montez. 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 Montez. Bon, la température, ça va. Et je vais vérifier.
Respire un peu, s'il te plaît. Papa, maman, ça va, Jennifer. La tension, tout est normal, il n'y a plus à s'inquiéter. D'accord. Merci, docteur. Non, je vous en prie, papa. Je vous en prie. Elle prend ses médicaments et elle se repose sur tout ça. D'accord. Merci, docteur. Merci beaucoup. Merci. D'ici quelques jours, elle sera sur pied. D'accord. Jennifer, ça va maintenant, hein? Ok. Faut te reposer. Tu as compris? Ça va aller. Je vais partir. D'accord. En cas d'urgence, vous m'appelez. Je reviens. D'accord. C'est bon? Ok. Au revoir, docteur. Bon, je vous en prie. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci. Bon, merci beaucoup. Au revoir, docteur. Et pareil à vous. Merci beaucoup. Moi, Jennifer, on va la laisser seule. Comme elle dort. Pour qu'elle puisse se reposer. Mais ces voix-là, ils ne seront pas impunis. Ils ne seront pas impunis. C'est maintenant la guerre veut commencer quoi. Qui est prêt à la sortie, on va les gérer pour toi. Peut-être on va gérer ça quoi. Mais ça ne va pas chez vous. À la sortie, on va les gérer pour toi. Mais on va gérer ça quoi. Avec tout ce que nous avons comme problème. Avec tout ce que moi j'ai comme problème, j'ai senti Naomi. J'ai senti Jimmy. Et maintenant je suis derrière les barreaux, vous parlez un peu de gérer le fils. Tu dis quoi? Bande de conscients. Mais qu'est-ce que lui-là? Le grand padre James. Sortez-moi ici. On fait quoi? Puisque le boss désiste, on sera obligé de laisser aussi. Ou bien, on va aller pour étudier. Et bien, Oui, pardonne-moi. Qu'est-ce que ta maman et moi, qu'est-ce que nous t'avons fait pour mériter misère et Janice, Ao, Janice, on te dit tout, on te fait tout, pour ne pas mériter. C'est un problème. Ouais, bah, il y a tout ça, ta bossale. Pour tes chéris. Tu es étudiant véhiculé. Qu'est-ce que tu veux encore? Et tu sais que ta maman, là, c'est son travail. Les dossiers. C'est elle qui traite tout. Hein? Tu es un bébé bien-aimé. Un enfant bien-aimé. Ah, bah, kaka, bon, voilà les jours. Un bandit bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ta maman? Oui, ouais, ma maman. Mais elle ne veut pas te voir. Oh, je veux voir ma maman. Je te donne une petite pour la faire souffrir si elle me sort d'ici. Oh, ça me gêne ça. Voilà, elle est une cause de. Oh, tu n'écoutes rien. Ça va d'abord, maman. Oh, Jenny. Ça va. Quoi, tu lui ferais? Laisse-moi tranquillement. Oui, maman. On comprend, maman. Maman, ne me laissez pas ici, maman. J'ai mis les yeux. Maman, tu as du temps. Maman. Qu'est-ce
Bonjour ma fille, ça va bien? Ça va. Grégory Djangba. Madame, vous devez bien me connaître en m'appelant pas sur moi. Non, mais je rêve quoi. Ou bien je me trompe. Votre visage ne me dit absolument rien. Grégory, tu rigoles? Tu ne me reconnais pas, c'est ça? Grégory, tu ne me reconnais pas? Toutes mes excuses. Regarde-moi bien. Prends ton temps, je ne suis pas pressé. Bon. Moi, je ne suis pas physionomètre. Tu n'es pas physionomètre. Sincèrement, c'est facile de le dire, Fleurette. Fleurette nous compte à Accro. Grégory, Fleurette. Tu vois, ce sont les montagnes qui ne se rencontrent pas. Les hommes se rencontrent toujours. Grégory, le monde est tellement petit qu'il faut éviter de faire du mal. À cause de toi, je suis devenue orpheline, toute jeune. Mon père a rendu l'âme. Il a eu confiance en toi. Tu l'as vidé, tu l'as escroqué. Tu l'as dévalisé, tu l'as ruiné. Et tu nous as abandonné, tu t'es enfui avec la fortune de mon père. Tu nous as abandonné dans la misère, ma mère et moi. Cette pauvre dame qui a souffert derrière moi. Et pire encore, tu savais que j'attendais un enfant de toi. Tu viens de t'aider, tu savais que j'étais enceinte. Je t'avais dit que j'étais enceinte, oui ou non. Aujourd'hui, tu ne me reconnais pas. Monsieur ne me reconnaît pas. Je ne suis pas physionomiste. Et le visage ne me dit rien. Tu ne me reconnais pas aujourd'hui. Que Dieu te pardonne, Grégory. Bonjour, mémé. Ah, bonjour, ma fille. Ça va? Et ça va, mémé. Qui je vois? C'est Grégory. C'est Grégory? Oui, c'est moi, mémé. Bravo. Tu vis? Tu vis? Oui, mémé. Voilà. À ma cavie d'adoré. À ma cavie d'adoré, mémé. Mais toi, tu nous as laissé. Moi, ma fille, tu l'as enceinte. Bon. Nous, tu l'as rendu, Judas. Judas m'a dit à mon coton. Allez, mon fille. Hein? On est parti. Et loin là-bas. On est arrivé encore. Ici, même chose. Et toi, tu vis tranquillement. À ta vie, ta doux, Grégory. Grégory, lui quand aussi, si il a dit, il y a Grégo, on m'a mis nom d'Agbédé, il y a Grégo, oui, Haché Grégo, j'ai Haché Noël, Haché Noël, il a donné ta connaît, il m'a mis bien, il coûte ton tête, il est en train de Grégory, tu ne vois rien, à ma soeur Gavo. Tu as pris balai comme ça. Vous balayez quoi les consons qu'on mène à souti. Hein? Balayez. A balayez à quoi les consons qu'on mène. Bon, oui. Le Dieu m'y dit. Amo. Vous soyez deux côtés, dit Amo, bravo. A mon fils de Bouaï. C'est ça, fille, là? Oui, c'est ma fille. Et voilà. Vends maintenant là. Ami? Tu as aimé pour à moi, il n'y a pas de peu de somme, il n'y a pas de gégé. On va se voir. On va se rencontrer. Bien noué. D'apprendre de sortir, hein? Hein?
d'être une fille digne de sa famille. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Pourquoi? Seigneur Jésus, nos parents nous arrêtent sur le côté pour apprendre Seigneur Jésus. On va plus recommencer. Tu reconnais ces deux enfants qui sont devant? Oui. La fille, c'est ma fille.
le jeune homme là, le gentleman là, c'est le fiancé à ma deuxième fille. Grégory, tu vois combien de fois tu es maudit. Tu vois combien de fois la nature t'a puni. Grégory, ce gentleman dont tu parles, c'est la grossesse que tu as abandonnée depuis près de 20 ans. Oui. Grégory, James, c'est ton fils. Quoi? Et c'est lui qui a enceinté tes deux filles, c'est ton aîné. Grégory, tu es en train de m'obliger à envoyer mon fils unique en prison. Le métier que j'aime le plus, j'ai porté serment. Je suis contrainte à envoyer mon enfant en prison. C'est un fou pour lequel je me suis battue depuis des années. Tout ce que je fais, c'est pour James. Le garçon pour lequel je ne dors pas. Le garçon pour lequel je cours. Je me suis gênée pour donner à cet enfant tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, je suis en train de m'obliger à envoyer mon enfant en prison. Le passé m'attrape toujours. Dieu est là. Toi aussi, tu mérites la prison. Pour la fortune de mon papa avec laquelle tu t'es enfui. Tu m'as détruit. Ça va, maman. Grégory, tu as gâché ma vie. Grégory, aujourd'hui, tu m'as fait détester le travail que j'aime le plus au monde. Oh non, Dieu est là. Mon fils, mon nom. Oui. J'aime un monsieur garçon en prison. James, Maman! 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 Maman!